Tu devrais te reposer, la fatigue te joue des tours. Pas vrai, Bertholdt? Vu ce qui vient de t'arriver, c'est normal que t'aies pas l'esprit clair. Oui, il est épuisé, ça se voit tout de suite. Et puis ça ne tient pas debout. Si tu étais vraiment le titan cuirassé qui a causé tous ces morts, je vois mal pourquoi tu viendrais tout m'avouer maintenant. Tu ne croyais quand même pas que j'allais vous suivre bien gentiment en apprenant que Bertholdt et toi étiez des titans. C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Peut-être que je perds la boule. Les autres nous attendent. Ça y est. Je sais pourquoi. C'est parce qu'on a traîné ici trop longtemps. Parce qu'on a passé 3 ans à vivre au milieu d'une bande d'imbéciles. On était jeunes et naïfs. On ne savait rien sur rien. Si seulement on n'avait pas appris leur existence. Je n'aurais jamais eu à devenir l'espèce de salaud que je suis aujourd'hui. J'en suis arrivé à un point où je ne distingue même plus le bien du mal. Je n'ai qu'une seule certitude, c'est que je suis responsable de mes actes et de mes choix. Et en tant que guerrier, je me dois d'en assumer les conséquences jusqu'au bout. Alors ça y est, on y va, Reiner, c'est ça? Ici et maintenant? Oui, on a assez perdu de temps. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Irène, ne reste pas là! Bertholdt! Sauve-toi! Je veux pouvoir rentrer chez moi. C'est la seule chose qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Bertholdt. Reiner. Vous n'êtes que des traîtres!